fait pendant cette campagne. En plus on a de la chance, il y a un temps magnifique dans cette belle ville de Bagnoles. Et ce que je peux vous promettre, c'est que quoi qu'il se passe dimanche, quels que soient les députés qui seront élus le 18 juin, c'est pas la dernière fois que vous me voyez et c'est pas la dernière fois que vous voyez les communistes. Nous sommes là toute l'année pour construire, pour proposer sur le terrain. Nous étions là avec vous pour lutter contre la fermeture de la poste à Cavillargues et à Saint-Victor. Nous étions là aux Escanaux à Bagnoles pour lutter contre la fermeture de l'Intermarché. Nous étions là déjà quand Macron était ministre pour lutter contre ces lois lamentables. Et nous serons là demain pour construire, pour avancer avec tous ceux qui le voudront bien. Parce que je pense que nous sommes capables de faire de grandes choses. Nous sommes capables, si nous sommes unis, de faire changer la politique des gouvernements qui ont précédé et d'ouvrir une voie d'espérance et de progrès social. Et vous savez, je crois qu'il est temps d'être ambitieux. Ça fait trop longtemps que les travailleurs souffrent, ça fait trop longtemps que les retraités se privent de tout, que les jeunes se privent de tout. Ça fait trop longtemps qu'on accepte des conditions de travail indignes, par peur des lendemains, par peur de perdre le peu qu'on a. Et ça fait trop longtemps qu'on regarde des gens mourir avec le sentiment injuste et faux d'être impuissant devant ce qui se passe. Donc je pense qu'il est temps d'être ambitieux, de retrouver l'espoir et la volonté de changer les choses. Et nous y gagnerons notre dignité, et surtout un avenir meilleur et plus lumineux, comme aujourd'hui d'ailleurs. Alors oui, nous proposons au passage aux 32 heures, nous proposons une sécurité sociale qui rembourse les soins à 100% parce que nous y avons droit. Nous proposons une augmentation des revenus et des retraites pour pouvoir vivre dignement et avoir accès aux loisirs, à la culture. Nous proposons une école gratuite et obligatoire de 3 à 18 ans pour que nos jeunes puissent, à égalité, choisir leur avenir. Nous proposons aussi, à un moment où trop nombreux sont les gens qui agitent les armes et la haine, nous proposons d'œuvrer à la paix. Nous proposons enfin une politique écologique et solidaire, ambitieuse, qui nous permettra de retrouver foi en l'avenir. J'assume ces propositions, elles sont réalistes, elles sont ambitieuses, elles sont chiffrées. Et je me propose, si vous l'acceptez, de les porter à l'Assemblée avec vous. Ensemble, faisons enfin entrer le peuple à l'Assemblée nationale.